Bon, je vais commencer. Bienvenue à la série des webinaires Boost CYAC, Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Mon nom est Sharon Cooper et je vais présenter le webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer la séance, il n'y a que quelques points administratifs. Pour les participants qui écoutent en français, cliquez sur Flore en bas à gauche de l'écran et cliquez sur le mot French. Pour voir et suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot Presentation en haut à gauche de l'écran. Pour suivre la présentation en français, téléchargez la version en français de la présentation en cliquant sur le mot Documents à droite. N'hésitez pas à télécharger la présentation en anglais et en français en cliquant sur Documents sur la droite. Il y aura une foire aux questions pendant les 5 dernières minutes du webinaire. Pour poser vos questions, veuillez consulter la barre d'outils à droite, cliquez sur Messages et Participants et écrivez votre question sur le clavardage. Vous pouvez soumettre votre question à tout moment. Mais notez que je ne vais pas regarder vos questions jusqu'à la fin. Si vous regardez ce webinaire dans un groupe, s'il vous plaît, incluez la quantité des participants dans le groupe en cliquant sur Messages et la quantité des personnes. Et maintenant, nous pouvons commencer. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler sur la normalisation des préjudices sexuels. Nos enfants se grandent dans une société d'aujourd'hui. Et moi, je voudrais parler de ces enjeux. Je suis pédiatre médico-légal et de développement et je travaille avec les enfants qui sont victimes du crime. Aujourd'hui, les participants se pencheront sur la recherche liée à la sexualisation des filles. Les participants discuteront des comportements téméraires en ligne qui pourraient ne pas être identifiés comme une source de détournement dangereux ultérieur en ligne. Les participants prendront connaissance des campagnes qui ciblent activement les adolescents afin de promouvoir la relation saine. Les participants prendront connaissance des études plus récentes sur le cerveau révélant que les enfants et les jeunes sont beaucoup plus vulnérables aux comportements téméraires qui peuvent mener à une auto-incrimination. Alors, parlons-nous du terme normalisation qui signifie de se conformer à une norme ou à un critère. Et dans le contexte de la présente discussion, les préjudices sexuels sont normalisés. Les préjudices sexuels peuvent être normalisés dans plusieurs circonstances. Lorsque les préjudices sont d'ordre sexuel, les conséquences risquent de durer plus longtemps. Et en Ontario, il y avait un article récemment qui en parlait des enfants tellement stressés par l'apprentissage virtuel. Et nous savons que cela passe autour du monde. Mais il y a le risque, à cause aussi du confinement à domicile, où nous voyons plus de violence et l'exploitation sexuelle peuvent survenir en raison d'un accès accru à l'Internet, à cause du fait que les enfants ne peuvent pas sortir et aller à l'école pour être en sécurité. Et un autre facteur découlant de la pandémie de COVID-19 réside dans le fait que les enseignants sont ceux qui signalent le plus souvent la violence envers les enfants. Et l'apprentissage virtuel est un obstacle considérable à la protection des enfants. Alors, pendant cette dernière année, la dernière année et cette année aussi, bon, maintenant, il y a l'interaction est numérique et ces interactions peuvent avoir un impact sur leur compréhension des choses et pour être capable de déterminer qu'il y a un risque qui se présente à eux. Quel enfant sera à la sécurité de toute forme de maltraitance, mais surtout des préjudices sexuels? Nous avons les enfants qui sont atteints de l'autisme, les différents troubles de hyperactivité ou les différents obstacles d'apprentissage, ils sont plus en risque.
Si une patiente a une invalidité, est une enfant handicapée, c'est plus probable qu'il soit en risque. Alors, ce n'est pas juste la question d'être en ligne dans un environnement de l'école où généralement on pense qu'il n'y a personne qui va déranger un enfant qui a que 6 ans. Non, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai vu les enfants qui ont souffert la paix de piégeage et il y avait 5 ou 6 ans. Quand vous avez les jeux en ligne où il y a les multiples joueurs, alors les parents doivent être présents quand leurs enfants se trouvent aussi en cyberespace. Alors, comment on sommes-nous arrivés là? Alors, cette image, c'est une affirmation que les parents qui sont qui sont bien intentionnés, ce sont les immigrants dans le cyberespace. Mais ça change parce que plusieurs de nos parents, des parents des enfants, sont plus sages au niveau de ce qui se passe en ligne. Mais les enfants, ils sont nés, ils ont une compréhension qui est au-delà des parents, c'est-à-dire les enfants qui ont l'accès à la technologie. Ils ont beaucoup de connaissances. Vous pouvez voir la recherche de neurones miroirs. Vous voyez une personne assise qui regarde une scène sexualisée et dans son esprit, il pense à soi-même d'être dans cet scénario. Parce que les images, les neurones miroirs nous convainquent qu'on est en train de vivre cette expérience. Il y a chaque fois plus de documents sur l'impact de la pornographie sur les enfants. La toxicomanie à la pornographie est un grand problème parce que c'est tellement facile d'avoir accès à cela, surtout au cyberespace. J'ai déjà participé dans 3 séances sur la disponibilité de la pornographie des adultes. Et pourquoi c'est un problème spécifiquement pour les jeunes? Et une partie de cela est lié avec la maturation cérébrale. Ça, c'est une étude qui a été faite dans l'an 2000. Toutes les phases des personnes entre 5 ans à 20 ans, il y a une maturation de la partie en arrière du cerveau jusqu'à l'avance. Alors, la région occipitale commence à se maturer. Et la dernière partie, ça, c'est aussi au cortex frontal. Le cortex frontal dirige le contrôle des impulses. Et cette recherche nous a aidés à comprendre pourquoi il faut garder l'esprit aux enfants de 16, 17 et 18 ans qui sont ils agissent comme s'ils étaient des adultes, mais ils n'ont pas la maturation cérébrale. Cette recherche sur les neurones miroirs a commencé en 2007 en Italie et cela nous a aidé à reconnaître que les neurones miroirs nous fait penser que c'est à travers des yeux qui se passent à la partie en arrière du cerveau. Nous avons pensé que c'était comme ça la vision de la partie en arrière jusqu'à l'avant, mais ce que nous savons maintenant, que le lobe temporal en vert et le lobe pariétal en rose et aussi le cortex préfrontal
sont impliqués pour se rendre compte de ce qu'on voit. Si nous étions tous assis, et nous sommes au cinéma et nous voyons, et il y a une scène comme si nous étions dans la voiture, nous voyons les choses qui flashent. Un grand pourcentage de nous autres, nos yeux sont plus grands, nos mains peuvent être dans une sensation que nous sommes en train de vivre avec les poings des mains qui sont fermés. Et puis, tout d'un coup, les gens, il y a un accident des voitures, et leur cerveau leur convainc qu'ils sont en train de vivre cet accident. Alors, c'est important de garder à l'esprit ce concept pour comprendre ce qui se passe, qu'on vive ce qu'on voit. En 2007, l'Association américaine de pédiatrie a publié un rapport sur la sexualisation des filles. Et c'était tellement utile, ce rapport, parce que par l'année 2007, nous avons vu les nourrissons, les jeunes filles, les fillettes qui agissaient comme si elles étaient les femmes, les adultes. Parce que ce n'est pas juste une question de se habiller comme leur comme la mère, mais il était habillé dans une manière tellement sexualisée. Nous avons vu ça dans les différents, par exemple, pour les costumes, non? Les costumes de 31 de l'octobre pour Halloween. Alors, ils se sont rendus compte que toutes les autres capacités, c'est-à-dire les capacités d'être des bons élèves, n'étaient pas si importantes comme d'être sexy. Et quand les enfants pensent que cela est important, ils se voient comme les objets et pas comme les personnes. Si je ne suis pas un objet sexy, je ne vais pas être bien. Alors le terme de objectification sexuelle était donné par l'Association américaine de pédiatrie pour comprendre pourquoi la recherche sur les neurones miroirs et les différentes tendances. Et nous avons des autres termes aussi qui font que les enfants apparaissent comme ils sont les petits adultes. Tout ça est toute une dynamique qui est liée avec la normalisation des préjudices sexuel, parce que la maturation des enfants va être quelque chose sexuel et comme la forme plus évidente. Alors, dans cette étude, il y avait un examen de plus de 300 études. Il y avait la distinction entre la sexualisation et une sexualité saine. Et cette dernière est une composante importante de la santé physique et mentale qui favorise l'intimité, les liens affectifs et le plaisir partagé et implique un respect mutuel entre partenaires consentants. Ça, ce sont les relations saines. Mais avec la sexualisation, c'est autre chose. La valeur d'une personne provient uniquement de son attrait, de son comportement sexuel à l'inclusion de toute autre caractéristique. Une personne est objectivée sur le plan sexuel, c'est-à-dire à transformer en une chose destinée à l'usage sexuel d'autres personnes. Au lieu d'être perçue comme une personne capable d'agir et de prendre des décisions de façon indépendante. Et nous voyons cela dans la mode, dans il y a la sexualisation des enfants, la sexualisation de l'enfance. Quand on pense là-dessus, les enfants qui sont sexualisés, ce sont les filles. Ce sont les filles
pas vraiment les garçons. Oui, il y avait les publications pour faire que les garçons soient sexualisés, mais vraiment ce qu'on voit dans les médias, c'est la sexualisation des filles. Et ça, c'est un livre de Sharna Hoffman. Et elle parle de la sexualisation de l'enfance et pourquoi il faut pousser contre cela parce que l'industrie de la mode essaie vraiment de faire nos enfants se grandir avant qu'ils soient prêts. Alors, il y avait un autre rapport similaire qui est sorti du Royaume-Uni pour laisser les enfants être des enfants. C'était un rapport d'une étude indépendante sur la commercialisation et la sexualisation de l'enfance dans les sports, dans la mode, toutes les manières que l'enfance est commercialisée. Et avec cette commercialisation, c'était aussi sexualisé. Et le problème de la sexualisation des enfants, qu'il y a deux messages très malsains sur le plan sexuel. D'abord, c'est communiqué à la société, y compris les enfants, les jeunes et les adultes. Quand les enfants devraient être perçus comme des objets sexuels désirables, ça peut causer les individus de penser, waouh, regarde comme elle est, regarde comme elle apparaît. C'est un enfant qui est vraiment prête. Une fille qui est prête, et nous entendons les remarques des agresseurs sexualisés. Et quand les enfants sont sexualisés, ils vont participer dans les comportements comme les relations sexuelles, de fumer, de boire l'alcool. Et nous voudrions que les enfants ne font pas ça à un âge tellement jeune. Cet enfant qui apparaît comme un adulte dans le monde commercial communique le message que les enfants sont des cibles faciles pour l'exploitation sexuelle. Je voudrais le dire que quand les enfants se sentent que la seule valeur, c'est dans leur sexualité et ils ont les relations interpersonnelles avec leur homologue, ils sont en risque de subir la violence quand ils sortent, quand ils sortent en fréquentation ou des rencontres et pour avoir les maladies transmissibles sexuelles et les autres enjeux. Les enfants sexualisés ils ne seront pas prêts, même leurs parents ne sont pas prêts de parler là-dessus. Et ça se trouve dans le contexte du défi de la puberté précoce des enfants. Je vais parler là-dessus dans quelques minutes. En 2016, c'est-à-dire 2006, il y a une organisation qui s'appelle The Australia Institute. Ils ont publié une étude sur la pédophilie institutionnelle. Bon, il y avait toute une poursuite qui était contre eux avant, mais la raison pour laquelle ils ont publié cette étude, ils ont parlé comment les adultes étaient que ils étaient déguisés pour être les enfants. Et je voudrais parler un peu là-dessus. Vous pouvez voir une femme. Il y a une femme ici qui est déguisée comme un enfant avec son jean. Elle est habillée assise. Et ça, c'est la publicité. Elle a une sucette. Et puis, il y a un homme qui n'a pas de chemise, il prend des photos. Et tout le concept de juicy, vous vous rappelez où tous les vêtements ont
ou le mot truculent, truculent, mettre sur le derrière de la personne, d'un enfant et de même une adulte. Alors, le jeune garçon et filles qui sont déguisées en adolescents, ce sont des adultes. Et c'est la même chose avec l'image au centre. Mais le plus convaincant, il y a un jeune garçon qui est un adulte et une jeune fille qui est une adulte fille. Ils ont des relations sur le sofa et après vous voyez un homme qui est avec une fille dans un lit avec les draps dans un tissu comme ça. C'est-à-dire, ils étaient bons dans les draps de soie et bon, c'était publié dans une magazine et ils ont publié cela pour montrer qu'il peut y avoir la normalisation de préjudice sexuel. Mais beaucoup des messages malsains concernant les relations entraînent des préjudices sexuels. Le cortex préfrontal n'est pas prêt pour faire face aux défis. Ce que vous voyez et ce que vous obtenez, ça c'est une Iman El Amin à Maryland. Et je l'ai rencontrée et dans une séance qui était fait pour une procureure. C'était quelque chose réalisé par une procureure. Il y avait un groupe de travail qui ont voyagé aux États-Unis, qui ont parlé des enfants exposés à la violence. Et ce que l'imam El Amin disait, quand il parlait avec les jeunes enfants dans son mosquée, il y avait l'idée avant que ce que vous voyez et ce que vous obtenez, mais maintenant, ce qu'on dit, ce que vous êtes et ce qui va vous obtenir à vous. Et ça, c'était des mots importants. La pornographie détruit beaucoup d'adolescents, n'apprennent jamais ce qui est une relation saine avant que la porno commence. Alors, enseigner sa version, qui se traduit généralement par les relations de domination, d'infidélité, de maltraitance et de violence, c'est vraiment quelque chose qui nous fait, qui donne à réfléchir. Parce que si un enfant doit juste taper trois lettres POR. La première page de Google va être tous les sites pornographie, trois, les vidéos gratuites, par exemple. Et ce que nous savons, à cause de la recherche sur les études d'IRM, quand nous voyons les choses en vidéo comparées aux images, ça colle plus au cerveau. Et la recherche qui a été faite sur les individus qui regardent la pornographie sur l'Internet est convaincante. J'étais partie des différentes commissions aux tribunaux et puis une des co-présentateurs, Docteur Marion Leighton de l'Université de Baltimore, elle a parlé comment dans sa clinique de toxicomanie sexuelle, elle a eu plusieurs hommes qui ont perdu leur travail parce qu'ils regardaient la pornographie du travail. Ils ont raté l'opportunité d'une promotion. Parce que pour se colmer, avant d'aller à l'entrevue pour pour un meilleur travail, ils ont dû se calmer en regardant la pornographie. Elle voit les trucs dans sa clinique de dysfonction sexuelle.
Voici un livre qui parle de ce qui se passe aux jeunes hommes et ce qui se passe à leur fréquentation ou leur rencontre et ce qu'elle a trouvé, qu'il y a une quantité significante qui disent non, non, je ne sors pas, je ne sors pas. Ensemble avec les filles. Je peux juste aller dehors de la maison et il ne faut pas aller dehors de la maison. Je peux le regarder, c'est gratuit sur l'Internet. Et Gary Wilson a parlé sur la pornographie sur l'Internet et la séance émergente de la dépendance. Et nous savons maintenant quand vous utilisez la pornographie, ce sont les mêmes. C'est pareil que quand vous consommez le cocaïne. Parce que au lieu de juste regarder quelque chose, tout ce que vous voyez qui est dans le fonctionnement des neurones miroirs, c'est comme c'est castrer, c'est-à-dire enlever de vos organes sexuels. Vous avez deux systèmes physiques qui répondent à une source et cela peut être addictif. Le livre de Dr. Wilson, je vous encourage de lire parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont regardé la pornographie de l'Internet et cela a affecté leurs relations et comment ils se sentent eux-mêmes. Et une des choses que Gary Wilson a dit, et aussi il y a les TED Talks qu'il a fait, la pornographie sur l'Internet est une des causes de dysfonction érectile. Pour les hommes, moins c'est pendant, c'est-à-dire, il y a une dysfonction érectile des hommes moins de 35 ans. Et ça, c'est relevant à la normalisation de préjudice sexuel, pas juste pour les enfants, mais pour nous tous. Il y a une organisation, une campagne qui s'appelle L'amour est plus fort que la honte. L'amour est plus fort que la honte, lutter. Alors, il faut lutter pour l'amour. Les adolescents sont en risque. C'est difficile pour eux de divulguer leurs enjeux. Quand je parle aux parents, au cabinet, par exemple, pour mes enfants qui ont le trouble de autisme, et ce sont les enfants qui commencent d'être dans les réseaux sociaux. Je dis aux parents, il faut prendre beaucoup d'attention. Votre enfant a l'autisme, ils ont des limitations verbales, ils disent les choses qu'ils ne doivent pas dire, ils peuvent voir quelque chose, entendre quelque chose aux réseaux sociaux, ils peuvent le répéter parce qu'ils pensent que ça, c'est la manière d'être accepté à l'école. Ils disent les choses inappropriées. Alors, j'ai expliqué avec attention aux parents que le contenu qui est sexuellement explicite, ça c'est la terminologie que j'utilise, le contenu qui est explicite sexuellement, quand c'est vu dans une vidéo, peuvent être addictifs et ça peut être excitant et ça peut causer les enfants et les adultes retourner. Alors le parent ne peut pas mettre leur enfant sur autopilote. Alors cette conversation, c'est pas juste pour les adultes, c'est pas juste pour les jeunes qui maintenant ont 18 ans. Ça, c'est pour les parents qui ont les enfants âgés 5 ans. Parce que malheureusement, l'Internet et l'éducation sexuelle du cycle 21. J'étais invitée d'aller en Australie pour parler à une conférence par les forces d'ordre là-bas.
Il voulait que je parlais sur le comportement adolescent et ce qu'il voyait au niveau des problèmes qui sont comme tous les exemples que je vous ai montrés. Et quand j'ai parlé, j'ai dit, est-ce qu'il y a un problème en particulier? Oui, et oui, il m'a dit, ce que nous voyons en Australie, que une des résultats de recherche sur Google est BDSM. BDSM, sadomasochisme. Je dis, comment ils peuvent être tellement intéressés par ces trucs? Mais les enfants intéressés à bondage, discipline, domination et soumission et sadomasochisme, sur Google, ça prend 0,13 secondes pour avoir plus de 1, milliard teen porn, pornographie adolescent. Vous pouvez avoir 1, million de résultats. Et avec sexualité saine, plus de 4 millions de résultats. Alors, vraiment, c'est le préjudice sexuel est vraiment un grand problème. J'ai déjà travaillé depuis plusieurs années avec notre centre pour les enfants disparus, et où les parents peuvent téléphoner une ligne SOS. Et puis, avant, nous avons appelé le problème pornographie juvénile. Maintenant, on ne dit pas ça, ce n'est pas le mot correct. Alors, les matériaux CSAM, les matériaux CSAM, les matériaux d'abus sexuels d'enfants, et ce que nous savons avec 150 millions d'images qui se trouvent à notre centre pour les enfants disparus, que plusieurs individus ont envoyé les images abusives qu'ils ont vues. Et plus de 150 millions, 12% sont des jeunes enfants et des nourrissons. Les enfants préscolaires qui ont été abusés par les adultes ou par les adolescents, ils peuvent commencer à avoir les problèmes sexuels. Nous essayons de ne pas utiliser le mot d'agresseur sexuel jeune parce que ça présente un stigma et c'est comme un message à tu vas être comme ça pendant toute ta vie. Mais avec 30 sessions, les enfants auront une pourcentage moins de 5% de récidivisme. L'exposition à la pornographie adulte par de jeunes enfants, avec l'incitation à reproduire des comportements menant à un contact sexuel mutuel entre de jeunes enfants d'âge scolaire ou à des comportements masturbatoires excessifs, ça va causer que nos enfants réagissent, les comportements qui vont leur causer les problèmes dans la société. La première fois quand ils regardent quelque chose à la maison et après il va dormir chez un ami, il commence à imiter ou il encourage autre enfant. On va voir si on peut aller en ligne pour voir ces matériaux. C'est pas difficile de trouver ces matériaux. Et ça, c'est le moment où cet enfant, où votre enfant peut être vu comme cela. Les parents peuvent discipliner l'enfant. Ça, c'est pas le point. Le point est que cet enfant était exposé aux matériaux préjudiciables dans la tranche d'âge de l'enfant.
le préjudice sexuel chez des préadolescents dans le contexte de jeux hors ligne ou en ligne entraînant une présomption de culpabilité de la part de la victime parce qu'elle perd. Ils vont jouer un jeu avec une enfant plus jeune, l'enfant qui est plus âgé, il gagne, il dit à jeune enfant, OK, tu as perdu, alors il faut déshabiller, alors enlever tes pantalons, par exemple. Quand les enfants viennent à ma clinique, les enfants qui ont été des victimes, ils viennent au cabinet pour dire c'est de ma faute, c'est de ma faute. J'ai dit, pourquoi c'est de ta faute? Parce que j'ai perdu. Si j'étais plus intelligent, si j'aurais appris faire cela et ceci mieux, je n'aurais pas dû enlever mes pantalons. Alors, c'est vraiment une montre difficile. Voici un article de deux garçons de 13 ans qui se sont filmés en train d'agresser sexuellement une fillette de 5 ans et ont enregistré les contacts sexuels entre elle et deux autres jeunes enfants. Alors, les enfants, ils ont agressé la fille avec un objet et on la voit également avoir des contacts sexuels avec une autre fille de 5 ans et un garçon de 3 ans. Mais comment ils ont appris cela? Comment ils ont appris d'enregistrer cela? Ils l'ont appris par les vidéos-jeux. Voici un cas au tribunal où j'ai témoigné sur deux médecins qui ont fait le pédopiégeage des garçons préadolescents pour le sexe des médecins qui auraient dû être digne de confiance. C'était les familles où il y avait beaucoup de problèmes à la maison. Alors, ils ont convaincu les médecins d'avoir les relations et après, ils allaient donner de l'argent pour aider leurs parents qui n'ont pas eu beaucoup d'argent. Alors, les pauvres garçons, ils ont dû le faire. Et les deux médecins étaient les pédiatres, c'était un cas convaincant. Ils ont eu des centaines de victimes. C'était tellement troublant. Ils ont montré les images. C'était pas les images d'abus sexuels des enfants, mais des adultes. Mais ils ont convaincu ces jeunes faire cela. Mais les préjudices sexuels normalisés sont souvent intrafamiliaux. Et le pédopiégeage est une prochaine étape courante. Il ne faut pas lire tout cela, mais c'était écrit par un père. Et il lui explique dans cette bande dessinée pourquoi avoir les relations sexuelles est quelque chose vraiment raisonnable. Et les gens vont être pas tellement contentes avec ça. Ils vont vilipender les autres. Et puis ce père a dit, bon, en passant, cela ne m'a pas dérangé la fois que tu as mis ta main dans mes sous-vêtements. Je t'aimais vraiment beaucoup à ce moment-là. Alors le père lui explique de sa manière que c'est une relation normale entre un père et sa fille. Je me rappelle de notre cas, des deux beaux filles allemands ont été montrées de la pornographie quand ils ont eu 11 ou 12 ans. Ils ont montré la pornographie. Quelques pères peuvent penser c'est pour leur aider à grandir. Mais dans ce cas, c'était le pédopiégeage, la manipulation psychologique pour être les participants avec volonté d'avoir le sexe entre eux deux et puis pour permettre le beau-père leur agresser à eux. Alors, il faut penser pourquoi ça arrive. C'est pas quand une père montre les enfants la pornographie, c'est pas pour leur aider. Ça peut faire que les jeunes, les filles, les garçons, les adolescents, ils peuvent être confus.
Alors, les préjudices sexuels à tous les stades de la vie. Alors, le contact entre un délinquant en ligne qui paie un trafiquant pour imposer les comportements sexualisés sur demande à de jeunes victimes de tourisme sexuel virtuel. Aussi, la relation de violence visant des adolescents menant à une dynamique de pouvoir et de contrôle, y compris la violence conjugale, agression sexuelle, intimidation sexuelle verbale ou en ligne et viol, ça peut être un préjudice sexuel à tous les stades de la vie. Et les technologies peuvent être les victimes obéissantes. Alors, ils font les sextages ou les images autogérées. Ils sont en risque s'ils ont été pied au piège, c'est-à-dire intimidés, s'ils ont été manipulés psychologiquement en victimisation consentante. Ils peuvent faire les images autogénérées, le clavardage sexuellement explicite et risquent d'être recrutés. Si vous ne savez pas sur Sweetie, il faut se familiariser. C'était une fillette virtuelle philippine. Qu'un organisme néerlandais a fait pour voir combien des hommes allaient l'entendre disant qu'elle voulait être leur amie et combien des hommes voulaient avoir du sexe. Ils ont recueilli l'information des centaines, des milliers des hommes. Alors, ils l'envoyaient l'information de leur carte de crédit. Mais ça, c'était juste quelque chose qui était la pointe de l'iceberg. Parce que maintenant, nous voyons le pay-per-view, le payer pour vidéo à la demande. Et ça, des agresseurs qui utilisent PayPal, Bitcoin et les autres manières de paiement pour à une trafiquant aux Philippines qui font que les jeunes enfants de 5, 6 ou 7 ans soient assis devant l'ordinateur, tandis que l'agresseur est à l'autre côté, il a payé de l'argent, il dirige l'enfant de faire les différents actes sexuels. Plus souvent, il y a deux ou trois enfants dans un groupe. Et l'acheteur va les encourager d'avoir le contact sexuel entre eux-mêmes pour satisfaire leur intérêt sexuel. C'est vraiment convaincant. Si vous désirez voir cela, c'est vraiment, il faut juste regarder exploitation sexuelle Philippines. Et vous allez voir le rapport comme cela est en hausse de manière dramatique quand ils ont pu tracer et étudier cela. La normalisation des préjudices sexuels, la violence dans les fréquentations touchant des adolescents, c'est vraiment quelque chose qui se passe. Nous aurons nous allons avoir une webinaire, une conférence qui va parler des différents types de domination parce que nous avons vu après le film de Shades of Grey ou Nuances en gris. Ça encourage les différents comportements. Mais il y a les choses que vous pouvez faire. Vous pouvez, par exemple, avoir les différents types d'événements pour parler. Pourquoi l'amour exclut toute forme de violence? Alors, parce que le dommage
et les préjudices, ça peut être normalisé. La violence dans les relations des adolescents est souvent une normalisation du préjudice sexuel. Je vois qu'il y a aussi la numérisation de la violence. Vous pouvez voir dans ce village, par exemple, pourquoi tu es une amie de lui, avec lui? Pourquoi tu es amie avec lui en ligne? Je veux que tu le fasses immédiatement. Je veux que tu m'envoies une photo nue. Alors, juste par le clavardage, il y a plusieurs messages envoyés. Je dois aider les avocats, les juges, comprendre quand une jeune est agressée sexuellement sous ces circonstances. Ils se sont tout à fait menacés par ces individus. Même si pour vous, pour moi, c'est qu'un clavardage et il faut juste l'effacer. Mais c'est vraiment relevant qu'on continue de penser là-dessus. L'amour exclut la violence. Et il y a une brochure d'informations sur la violence familiale et la violence dans les fréquentations à l'endroit des lesbiennes, des personnes bisexuelles et des femmes trans. Et aussi, il faut mentionner l'extorsion sexuelle pour extorquer la personne pour faire ce qu'il veut. Il y a souvent le spyware, un logiciel espion à l'ordinateur de l'enfant ou de l'adolescent, et ça peut arriver dans un clavardage ou avec une communication qu'il ouvre une courriel et tout d'un coup il y a un logiciel espion là-dessus et il peut enregistrer tout et après il montre à l'adolescent qu'ils ont les photos. Alors le sextorsion, c'est l'autoproduction d'images à la suite de chantage alléguant des anciennes images existent et qu'elles seront distribuées si la victime ne se plie pas aux demandes de l'auteur de chantage. Le résultat final est la production d'images d'abus. Il s'agit d'un crime sexuel sans contact et l'impact à long terme sur la victime est profond. Un des cas plus grands, et je vous encourage de regarder Lucas Chancellor de Pays-Bas, un individu qui a fait extorquer sexuellement plus de 300 filles dans plusieurs pays et elle faisait un clavardage de manière simultanée et il a eu les images avec lui. Alors la normalisation des préjudices sexuels et trafic sexuel existe. Bia, elle était une fille malheureuse de 13 ans, élevée par sa grand-mère depuis sa première enfance. Et elle se plaignait de son sort avec une grand-mère trop stricte. Un des élèves a appelé un copain et a abandonné ses études, qui a contacté Bia pour la réconforter en tant qu'ado et ami plus âgé. Il lui a proposé de passer la chercher chez sa grand-mère. Ils ont fait le pédopiégeage par Facebook. Quand vous allez à un magasin et vous voyez qui a besoin d'une carte crédit, ça c'est le trafic sexuel, ça c'est le message. Alors voici un webinaire, une séance sur la traite de personnes 201 sur le recrutement en ligne, comment ils le font. Les trafiquants de sexe, ils adorent la technologie aussi. Maintenant, ils recrutent les sex-gen fires et ils
Ils vendent les enfants pour argent. Je dois témoigner au moins 5, 6 fois par année dans les cas de trafic sexuel des enfants. Les jeunes filles, jeunes enfants sont amenés en ligne, ils sont vendus. Il y a le pédopiégeage. Alors, un enfant peut répondre à une annonce, il peut dire ce qu'il veut et le trafiquant peut être amené à l'hôtel où se trouve l'agresseur. Ça, c'est de Tinder, une site en ligne pour faire les rencontres. Vous pouvez voir, il y a une fille en ligne, elle a un tatouage. Vous pouvez voir toutes les évidences que cette femme était agressée sexuellement. Il y avait l'abus physique. Les victimes de trafic sexuel n'ont aucune option. Vous avez l'option d'y mettre un terme dès maintenant. Alors, ils ont essayé de parler sur le rôle de la technologie et la normalisation de préjudice sexuel que nous voyons par les victimes. Et les enfants, les comptés, ils peuvent avoir une campagne pour choisir leur respect. Respecte-toi, ça c'est une intervention de Center for Disease Prevention et pour aider les filles et les garçons à comprendre qu'une relation doit être basée sur le respect, pas sur le préjudice et le danger. Choisis le respect, c'est important. Ils ont des images aussi où il y a les enfants qui sont pas toujours vus comme l'enfant parfait, d'une taille parfaite, mais il dit, ah, je vais dire au gars qu'elle ne pouvait pas arrêter de me toucher. Mais il pense ça, mais non, il dit, non, je vais leur dire que c'est cool d'être avec elle. Choisir le respect, une meilleure relation, c'est difficile parce que quand nous habitons dans une société où le préjudice sexualisé est normalisé, c'est comme faire de la natation contre la courante. Alors, il faut respecter les partenaires. Il ne faut pas être la personne dominante au comté de Montgomery, à Maryland. Ils ont des activités pour les enfants d'école secondaire pour les encourager de trouver les opportunités pour choisir le respect, pour réduire la quantité d'abus dans les relations. Et en faisant cela, il enlève un autre aspect de la normalisation de préjudice, du préjudice. Alors, je voudrais nous encourager tous, à tous nous autres, de penser là-dessus. Ma compagnie a décidé de réaliser un événement que nous avons eu à un centre d'activité. Nous avons invité que des filles, 200 filles dans les établissements ou les orphelinats ou les enfants qui étaient dans les familles d'accueil. Et le but de ce rassemblement, c'était honorer ces filles parce qu'ils pourraient se sentir bien de soi-même. Et leurs valeurs n'étaient pas basées sur la sexualité. Ce que j'ai fait, j'ai choisi 10 filles, j'ai acheté les revues, les magazines, et je suis allée avec un laptop. Et je leur ai demandé de choisir les annonces qui montrent les messages sains et pas les messages malsains. Tout au début, les filles ont dit, mais quoi, comment? Et après, elles ont compris. Elles étaient tellement enthousiastes là-dessus, surtout sur les annonces, sur comme
Par exemple, un rasoir qui était dans une photo et J-Lo était dans l'image avec quelque chose tellement sexualisé. Et les filles ont dit pourquoi elles doivent faire cela pour faire une annonce pour un rasoir avec les aliments. Le sexe vend. Le sexe vend, alors ils ont pris toutes les différentes images et l'ont mis dans une présentation de PowerPoint. Et quand 200 personnes, ils ont présenté cette présentation sur la normalisation des préjudices sexuels dans les différentes publicités, les publicités des films, aliments, de tout. Et moi, je pensais que c'était important d'amener ces filles. Les enfants vont entendre les autres enfants plus que nous. Alors maintenant, je voudrais recevoir vos questions. Et je termine avec cette diapositive. Ce que nous voyons, c'est ce qui va nous prendre à nous. Il faut être alerte pour essayer d'aider nos enfants et ne pas être attrapés dans la normalisation de préjudice sexuel. Maintenant, je voudrais partager mon écran. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez poser des questions maintenant. Avec plaisir, je voudrais répondre aux questions. Et merci de votre attention. Il nous reste 4 minutes. Alors, allez-y avec vos questions. Alors, je voudrais demander à Raoul de m'aider avec cela pour ne. Oh, voici mon courriel si jamais vous désirez me contacter. Avec plaisir, je pourrais répondre aux choses qui n'étaient pas claires pendant le webinaire. Merci. Je vois des bons commentaires. Merci, je l'apprécie. OK, les questions. Est-ce que vous avez des questions? Ah, je vois une question. Une chose que je voudrais dire. Il ne faut pas juste permettre que le préjudice sexuel n'est pas perçu. Il faut parler là-dessus. Il ne faut pas avoir peur de parler de cela. Il faut être proactif pour fournir les autres messages, les messages alternatifs, pour que les enfants ne soient pas piégés dans les vidéos, dans les jeux, dans la sexualisation des films. Il y a plusieurs dynamiques qu'il faut mener. Alors, comment nous pouvons minimiser l'impact des élèves des écoles secondaires? Vous pouvez inviter les jeunes comment choisir le respect. Un groupe peut parler aux autres. Une enseignante peut dire, nous avons entendu cela dans les nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste, et dans les jeux vidéo, quelqu'un l'avait mentionné. Il y avait un jeu de vidéo, il fallait avoir le sexe avec une prostituée et la frapper pour prendre l'argent. Ça, c'était dans un jeu. Alors, il faut reconnaître ce que les jeunes sont en train de jouer pour comprendre ce qui se passe avec le préjudice sexuel. Merci pour vos commentaires, je l'apprécie. J'espère que l'information soit utile. Je suis pédiatre et je soulève cela tout le temps avec mes familles et mes patients. Il faut dire le mieux que vous pouvez dire. J'apprécie vos commentaires sur les neurones miroirs.
Oui, ça changeait comment je pense et j'essaie d'informer les autres là-dessous aussi. Parfait. Les sites web Radius and Child Services, formidable. Merci à toutes et à tous de votre amable attention. Ah, il nous reste juste un moment. Je voudrais assurer que merci pour vos réponses. Ça a été un privilège partagé avec vous aujourd'hui.